Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, et aujourd'hui nous allons voir ensemble une nouvelle map officielle, map qui est arrivée sur console et sur PC, et ensuite nous irons faire un petit tour sur une map custom qui est arrivée, qui est disponible uniquement sur PC mais qui est très intéressante. En avant. Industrial Zone. Alors c'est une map qu'on avait déjà testée auparavant, puisque c'est une map qui est à la base une map custom qui a été faite par Jean Olive. On en a discuté récemment quand on était visiter la map XL Mall. Bah, je trouve qu'elle est superbe. La map est disponible en deux versions. Ouais, magnifique, pour commencer c'est parfait. Alors la map est disponible en deux versions. Il y a une version de jour, comme on est occupé à tester maintenant, mais il y a aussi une version nuit. Backlip. Bam. Il y a une fonctionnalité très sympathique qui a été rajoutée, mais alors je ne pense pas que ça fonctionne sur la version de jour. On va d'abord en profiter pour mettre quelques phases. Ici, on commencerait bien par un flipback 50. Magnifique. Sur la poubelle, bam. Pas vraiment une poubelle. De l'île on board. Tac. Un petit spot à manual, là, il n'est pas évident à prendre. Ouais, très court, faut pas aller trop vite. Normalement, à gauche, dans la version PC, il y a toute une partie avec des canalisations où on peut skater. C'est vraiment très sympa. Je vous invite à la prendre si vous êtes sur PC. On va se mettre là. On va commencer par un petit trick sur le ledge ici. Avec un olive spin needle complètement dégueulasse pour retomber dans la courbe. Enfin, qui flip. Et puis après, on pourrait remonter. Normalement, oui. Oh, ok, nickel. Légèrement sketch. Flip crook, les big spinil, on remonte, ok, non, on va dire que c'est bon, on peut prendre la poubelle ici, ouf, ok super, on a un spot, celui-là est sympa aussi, on va essayer un grind, tous nos manuals. En front tail. Oh. Boum. Magnifique. On a un rail. Là, il est sympa le petit rail. On a un flip over crook. Yes. Excellent. Passe au-dessus de la barrière là. Bam. Twitch. Ok, on va se rendre sur la version de nuit, parce que là, il y a pas mal de choses à vous montrer. Mais déjà, c'est de nuit, c'est très joli, donc c'est cool pour filmer. Mais la fonctionnalité qui est vraiment intéressante sur cette map, en réalité, eh bien, c'est qu'on peut utiliser désormais les objets qui sont spécifiques à cette map pour pouvoir les déplacer. Regardez, si je me mets par exemple sur ce magnifique tas de bois, comme ceci, eh bien, je peux les sélectionner et les utiliser pour créer un spot, par exemple. Donc, si je me mets là, tiens, on va essayer. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? Un peu haut, hein. Et ça passe. Magnifique. Ok, c'est un petit peu haut, mais c'est pas grave. Regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement pouvoir utiliser d'autres objets comme ceci. Ben voici avec mon Clark. On peut les déposer n'importe où. Alors on va faire de la déco. Hein. Je vous préviens, aujourd'hui, ça va être ça. Voilà, on va mettre de la déco. On va mettre des Clarks sur le toit. Comme ça. Incroyable. C'est de l'art, les amis. Regardez ça, comme c'est magnifique. N'importe quel patron dans une bonne boîte vous dira que toutes les règles de sécurité sont respectées, vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? On va regarder ce qu'on peut prendre d'autre comme objet. On peut sélectionner les objets directement en appuyant sur les touches de la main. Regardez, on a un magnifique bidon avec de... On va quoi dedans? Un cookie, c'est pas très bien cuit. On peut mettre cette espèce de galette. Voilà, on va la mettre sur le toit. Parce que voilà. Ah, une maison. Alors ça, ce sont des petites cabines pour les ouvriers. Ils puissent prendre leur café au chaud. Eh bien, on va leur mettre ça ici. Tac, ouvrir ça bien. Ok, ça c'est pas mal. Magnifique. On va voir juste qu'on peut monter, hein. Exceptionnel, mais c'est magnifique. C'est vraiment, je suis un artiste. Incroyable. Est-ce qu'on peut encore aller plus haut? Oui, on peut continuer à grimper. Génial, exceptionnel. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Regardez ça. Où peut-on s'arrêter? The sky is the limit. En plus, c'est joli, je le fais en tournant et tout. Ouais, moi j'ai l'habitude de construire des bâtiments dans Valheim, donc construire un escalier comme ça, moi ça me pose pas de problème. Regardez, c'est la précision. C'est ça le skate. C'est la créativité à l'état pur. Vous voyez quelque chose que le commun des mortels ne voit pas. Et... Voilà. Faut qu'on mette autre chose là-dessus. Un camion. On peut mettre des camions. Ah, ah, ah! Et malheureusement, on ne pourra pas placer notre camion, mais ce n'est... Putain. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce moment de créativité. On va faire un petit peu de skate quand même. Allez hop, 2-7, on board. On enchaîne. On peut aller mettre un petit manual ici. Technosmanie.
un backside blunt. Ok. Ok, flip. Switch flip. Switch flip nose manual. Ou pas. Team backflip. Le heel front. Switch flip en montant. Et puis, ah, voilà, on va pouvoir terminer ici en manual. Ou pas. Le heel crook. Wow! Catch, on remonte. Nolly front heel. No! Marielle flip. On se met en switch. Ah! Excellent. Heureusement qu'on passe à travers le poteau. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit gap là, ça peut être sympa. Nose grind en descendant, ok, ça c'est facilement prenable. Est-ce qu'avec la barre ici, ah oui, ça touche quand on fait des slides, donc on va tenter dans ce sens-ci, en frontside salade. Ouh, frontside salade sortie big spin. C'était plus en front blunt. J'espère que vous appréciez mon magnifique pull de Noël que j'ai sorti spécialement pour vous. Hop, je vais nose grind, sortie back, yes. Et alors si on monte, on se... Ok. Backtail Faki, on monte et on tombe. Elle flip backsmith sur le truc. Waouh, joli. On pourrait partir en back nose blunt ici, sort Faki. Oui. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme spot qu'on pourrait... J'aime bien le petit spot à manual qui se trouve là, il est vraiment cool comme j'avais dit tout à l'heure. Flip nose... Ok, on repart dans la courbe là direct. On va quitter et on redescend. On va reprendre le même spot. 80 front. Tout rien du tout. On peut mettre des camions. Excellent, regardez ça. Ok, on va dire que c'est bon. Donc en fait, on a une haie d'honneur quand on passe en dessous avec notre perso pour aller chercher le spot là-bas. Regardez, c'est magnifique. Incroyable. Pour aller faire un crook et prendre le poteau. Incroyable. Oh, c'est vraiment cool de pouvoir prendre ce spot-ci et de retomber dans la courbe ensuite, enfin dans la pente. On va partir en backside. Ah, à chaque fois on touche le poteau qui se trouve là, c'est chiant. Bon, tant pis, attendez. Back 50. Non, il touche, il a un trop gros cul. Ouh, flip backsmith sorti. Allez, oups, 180. On a des espèces de pipe. Est-ce qu'on peut aller? Qui était à l'intérieur? Magnifique. On va faire de la mini. On voit rien. Oh, wow, 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 wow. Le truc il plante quand même pas mal. Voilà. Et évidemment il va partir dans le mauvais sens. Superbe. Ouh, c'était un forward flip croup dans les marches. Pas évident ce spot, hein. C'est très serré. Une backtail sortie flip. Switch flip backside 50, on part dans le bon sens. Sorti sketch, 180 front. Ah! Pas qu'il nous grève. Ok, alors je voudrais vous montrer une autre map. Ok, voilà, je voudrais vous montrer cette map. Le concept est similaire en réalité à la map précédente, donc Industrial Zone, qui a été rajoutée, puisque l'idée c'est que maintenant vous pouvez utiliser tous les objets qui se trouvent sur cette map pour pouvoir les déplacer. Donc si je viens, hop, je prends ça par exemple, et eh bien je pourrais déplacer la Pyra. Et c'est vachement sympa en fait. Je pourrais prendre la flat bar qui se trouve ici pour la déplacer. Et l'idée c'est que tous les objets qui se trouvent sur la map sont déplaçables et peuvent être bougés ou bien copiés et placés à l'infini. Donc ça nous permet de créer nos propres spots, c'est vraiment très cool. Le concept est vraiment sympa en tout cas, je trouve ça super chouette de se dire, bah ok, il y a quelqu'un qui va te mettre une map et puis en fait, bah tu peux bouger les trucs comme t'as envie quoi, c'est vraiment vraiment sympa. Par exemple, tiens, si on crée un truc comme ça, mais il n'y a pas que ça sur cette map non plus, et c'est ça que je vais vous montrer après. Tiens, on va aller tester un petit peu le truc que j'ai fait là. Non, attends, ça va être problématique parce que voilà, si je veux faire genre grind to manual to grind, il faut que j'ai de la place pour pouvoir le prendre. Ok, on teste genre back nose grind, rien du tout, tout rien du tout. Ça marche, c'est cool. Wow, cool. Un bidon enflammé.
Bam, excellent. On peut venir se poser dans les courbes. Comme ça. Et on repart dans l'autre sens. Ah, on peut pas prendre le baril dans l'autre sens. C'est pas grave, on fait un front blunt sorti big spin dans la courbe. Et puis ensuite, on va revenir ici pour faire n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant sur cette map aussi, c'est que non seulement vous avez la version de jour, mais la version nuit est intégrée directement. Et tout ce qu'on a à faire, c'est venir cliquer comme ça, pouf. Et à ce moment-là, vous avez une version de nuit qui apparaît instantanément. Il n'y a pas besoin de recharger une map ou une autre. Superbe. Incroyable. Quel niveau quand même, hein. Donc c'est vachement sympa, encore une fois, pour filmer des petites parts et tout, c'est vraiment cool. Hein. Il y a toujours un look particulier quand vous filmez des parts ou des tricks sur les maps de nuit. Oh. Et en prime, puisque ce n'est pas tout, on a la version donc jour-nuit, mais on peut même carrément activer la pluie. Ça sert à rien, hein, c'est vraiment esthétique pure. Mais je trouve ça vachement sympa, ça rajoute un cachet particulier à la map. Et encore une fois, ça montre ce qu'on pourrait avoir à l'avenir sur le jeu, les possibilités qui sont possibles, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. C'est vraiment chouette, je trouve ça sympa. J'espère que de plus en plus de maps auront cette possibilité, que toutes ces implémentations pourront un jour arriver sur console. C'est vraiment super sympa. Ouais, joli. Hypnoslide. Crook. Oh, flip crook to feeble qui n'était pas voulu. Backside salad, 180, yes. Art flip backtail. On peut même faire des lignes. Il y a des bancs qui sont un petit peu partout autour de la map. On peut faire des lignes, c'est cool. What? On peut prendre les vagues comme ça, sans popper, excellent. Chill back. Cool ça. C'était parfait. Merci d'être resté avec moi, merci pour votre soutien, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bonne session, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao ciao.